Jarry est un homme aux multiples talents. Comédien, metteur en scène, chroniqueur et animateur télé. Le quadragénaire est également un animateur bien connu du grand public puisqu'il est à la tête de Good Singer et du nouveau Game of Talent. Sans compter qu'il est membre du jury de Mask Singer depuis 2019. Il fait donc partie des plus célèbres figures du paysage audiovisuel français. Une notoriété qui pourrait certainement lui ouvrir les portes de la troupe des Enfoirés. Invité sur le plateau dont refait la télé par Jade et Eric Dussard, le papa de Vic et Tim s'est vu demander s'il accepterait de rejoindre la célèbre bande des Restos du Cœur. Honnêtement, je ne sais pas. Je suis déjà parrain de plusieurs associations, que ce soit pour la protection des océans ou les soins palliatifs. Est-ce que j'aurai du temps en plus pour aller faire ça, explique le principal intéressé. Je pense que j'irai si on me le proposait, mais je ne suis pas sûr que je pourrais être très productif. L'animateur se montre néanmoins philosophe, assurant que sa présence n'est pas l'enjeu du spectacle. Honnêtement, je n'attends rien. Moi, je ne suis pas déçu. Si elle me le propose un jour, ça sera super. Si elle ne me le propose pas, ça ne crée pas d'angoisse. Ce qui est important, c'est que l'on trouve des solutions pour ces gens qui en ont besoin. Il semble cependant ignorer qu'Anne Marcassu, la directrice éditoriale des Enfoirés, refuse d'inviter des animateurs télé. Une décision qu'elle a prise il y a longtemps avec Jean-Jacques Goldman. On s'est dit que si on commençait à en inviter un, pourquoi on n'inviterait lui pas un autre? Ça aurait été sans fin. On a décidé de ne pas le faire du tout. Comme ça, on ne faisait pas d'histoire. Cela n'empêche pas qu'on les aime beaucoup. C'est une décision qu'on a prise il y a longtemps et qu'on continue de faire perdurer car cela serait compliqué à gérer, expliquait-elle dans les colonnes de Télé Loisirs. Pas sûr donc de voir Jarry entonner le célèbre hymne de la troupe.